Le berger de Brire, Briard. Nous retrouvons le Bearded Collie au collet barbu. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et comme on vous a promis d'autres races que vous n'avez pas encore vues, on vous présente, après ce collet barbu, un berger d'Écosse au collet à poils courts. Sachant qu'il y a une variété poils longs. Ici, le collet à poils courts, rare en France également. C'est important de vous montrer des races qu'on ne rencontre pas tous les jours. Nous retrouvons le Shetland, petite race originaire des îles du même nom, assez proche dans la construction de ce berger d'Écosse. Ce sont des races très différentes par l'utilisation également. Autre race britannique que vous découvrirez, une belle race à fourrure, l'Old English Sheepdog, le Bobtail britannique, le Bobtail. Alors, dans les Welsh Corgis, nous allons être d'une grande prudence, d'une extrême prudence, avec le Welsh Corgi Cardigan. C'est un jeu avec mes collègues, on joue beaucoup avec les Welsh Corgis. Nous retrouvons le berger hollandais à poils courts. Il est suivi par une autre race hollandaise, déjà vue, le chien-loup de Saarlos. Et lui-même suivi par la troisième race hollandaise, le Schapendoz. On voyage à nouveau dans les bergers continentaux avec la découverte du berger portugais. Alors pour les spécialistes, très proche du berger catalan, de pays voisins, très proche du catalan. Nous retrouvons notre berger américain miniature, qu'on vous a présenté en grande première au CGA, première participation au CGA de cette race. Le berger australien nous rejoint. Le berger australien, vous voyez, vous avez côte à côte dans des couleurs de robe identiques, vous voyez la différence, la taille bien sûr. Nous retrouvons le berger belge malinois, la variété parmi les quatre variétés de belge, poils courts, couleur fauve masquée. On le reconnaît bien, il est toujours blanc, le berger blanc suisse. Pour votre entière satisfaction, une seconde de variété de berger belge, poil long, couleur fauve masqué, le Tervuren. Et, comme tout à l'heure dans les mâles, le dernier à vous être présenté, le chien-loup tchécoslovaque. Nous ne reviendrons pas sur les protocoles d'évaluation des chiens. Maintenant, il est tout à fait clair pour vous. Examen en statique aux allures. Donc, juste un petit rappel pour les spectateurs qui n'auraient pas été présents lors de l'examen des mâles et des autres, des races soumises au travail. Nous rappelons que dans ce groupe, comme dans le deuxième groupe de races, il y a à les rappeler la législation sur les coupes, la coupe des oreilles des chiens dans la législation depuis 2008, 28 août 2008, on ne coupe plus les oreilles des chiens. On coupe les queues, pas les oreilles, plus les oreilles. Donc, pour chaque race, ici, on a un certain nombre de races présentes. Vous avez des chiens qui ont les oreilles droites naturellement. Je pense aux bergers belges, aux blancs suisses.
au loup de Sarlos, au chien loup tchécoslovaque, au Welsh Corgi, et puis d'autres qui ont les oreilles tombantes, naturelles, n'ont jamais été coupées, comme le berger australien ou le berger américain miniature ou le portugais, le berger portugais, le Chapendose. Puis d'autres comme le berger de Beauce ou le berger de Brie ou le berger des Pyrénées qui avaient les oreilles coupées auparavant et maintenant elles sont naturelles. Les chiens à oreilles coupées, puisque certains pays européens coupent encore les oreilles, je pense à l'Espagne ou l'Italie ou la Russie, ne sont plus admis dans les expositions canines, quelles qu'elles soient, ni dans les épreuves d'utilisation. Donc vous avez eu le berger de Beauce en action, cette grande race de plaine, Beauceron bas rouge à cause des marques feu à l'extrémité des membres. Couleur la plus répandue dans chez le berger de Beauce, c'est celle-ci, fauve manteau noir, et une autre variété, arlequin, un peu moins répandue. Alors examinez actuellement le berger de Brie, qui est l'homologue de ce berger de Beauce, les mêmes caractéristiques morphologiques, poils longs, poil rêche, poil de chèvre, oreille maintenant naturelle. Et vous savez tout sur le briard. Le berger de Beauce étant la race de berger français la plus diffusée en France, plus de 3000 naissances par an. Le briard doit être dans les 350-400 naissances. Le berger picard a moins de 200. Et puis le berger des Pyrénées a 600 ou 700 naissances. Donc c'est le berger de Beauce qui est le plus représenté dans les races françaises. Le collet barbu est examiné par notre jury collégial. Le collet barbu, vous voyez cette race de taille moyenne à fourrure, on le rappelle, parce que la fourrure implique nécessairement quelques toilettages et quelques soins, évidemment. Si vous ne voulez pas prendre le soin de brosser, on brosse même les chiens à poils courts, mais je veux dire, le chien à fourrure nécessite plus d'entretien. Donc nous sommes toujours absolument choqués de voir que des propriétaires achètent un Lhasa Apso ou un Shih Tzu ou un Bobtail, donc des races à fourrure opulente, et les font tondre en été. Ça nous a toujours éminemment surpris. Nous pouvons illustrer ce propos d'ailleurs qui est proféré sans aucune animosité vis-à-vis de ce type d'acquéreur de chiots. Et là vous avez en examen par le jury un berger d'Écosse à poils ras, poils courts, rare en France certes, mais vous avez également la variété poils longs, le collet que tout le monde connaît par l'ancien feuilleton Lassie à la télévision, qui a une fourrure abondante et qui nécessite donc un toilettage. Alors, pourquoi acheter un collet à poils longs pour le tondre en été alors que vous avez la variété poils courts? Les voies du Seigneur étant impénétrables, on n'a pas de réponse à la question. Mais quand on rencontre des bobtails tondus ou des shih tzu tondus dans la rue, on est obligé quand même de se poser des questions sur la logique qui procède et qui sied à ce genre d'acquisition. L'avantage du collet à poils courts,
Donc vous avez vu ce collet, on a vu tout à l'heure les Shetland. Le collet et le Shetland ont une conformité morphologique assez proche, la taille bien sûr différente, mais ils ont la même forme de tête. Le museau est long, les oreilles... Alors on a parlé des oreilles, ben là ici dans ces races, que ce soit le berger d'Écosse ou le Shetland, elles sont demi-dressées cette fois-ci. Tombantes, demi-dressées, en feuilles de rose, naturellement droites. Vous voyez, on a le choix dans l'espèce canine. On a largement le choix en fonction de ses goûts. Donc voici le Shetland qui est examiné, vous voyez, très proche du berger d'Écosse. On ne peut pas parler de mini-collet, c'est interdit, ce sont des races autonomes. Voilà, le berger des îles Shetland termine son mouvement aux allures de profil. Petite race sympathique, je répète, on en trouve maintenant dans les épreuves de sélection, c'est important. Venant d'une île où tout est petit, les chiens, les chevaux, les moutons. Pas les autochtones, heureusement, mais les chiens sont petits. Excellente race de compagnie également. Alors, on vous fait découvrir cette race très emblématique des îles britanniques, l'Old English Sheepdog, le Bobtail. Une race de bergers à l'origine, même si elle est devenue davantage race de compagnie, mais... Le club de race vient de demander une classe travail également à la Société Centrale Canine, puisque nous avons le plaisir de voir des bobtails qui s'activent en recherche utilitaire. Et on en a testé en troupeau qui sont remarquables. Donc race à fourrure, on l'a dit, un grand chien, assez fort, assez compact dans la configuration, poil abondant, oreille naturelle, la queue chez ce chien est conservée, mais elle peut être amputée. Plusieurs couleurs de robe. Un chien de berger à l'origine, c'est vrai qu'il peut garder cet atavisme, il est facile à vivre. Attention au toilettage, on le rappelle, attention au toilettage, c'est un facteur important dans le choix d'une race. Le bobtail doit être toiletté parce que si vous ne le faites pas, au bout d'un certain temps, vous n'aurez qu'une solution, le raser. Restons dans les bergers britanniques. Ma collègue, mon amie Anne-Marie vous a parlé tout à l'heure des Welsh Corgi avec lequel j'ai quelques soucis entre les Cardigans et les Pembroke. Eh bien, nous avons un Welsh Corgi Cardigan qui effectivement reste une belle race bergère. Certains sont présentés au test aux quatre troupeaux avec succès. Chien sportif, on ne le dirait pas bien sûr par sa configuration. Chien facile à vivre, les Cardigans et les Pembroke différencient. Se différencie par quelques critères morphologiques, la forme de la tête, les oreilles. C'est un chien sociable, mis en valeur comme d'autres races canines par la Cour royale d'Angleterre. Vous savez que la reine d'Angleterre appréciait les Cavaliers King Charles, appréciait les Welsh Corgi. Il y a toute une emblématique autour de ces races. La morphologie de chien un peu interpellé, on pense qu'il y a eu à l'époque des accouplements entre des bergers d'Écosse et des terriers. Ils pratiquent le pistage, on a eu des chiens de ces races qui pratiquaient avec beaucoup de talent le pistage français. Ça reste une race de bergers qui est tout à fait à même de se distinguer dans des activités de sélection. Donc ce Welsh Corgi Cardigan. Sur le continent,
avec le berger hollandais Poilcourt. On a beaucoup parlé de cette race puisqu'on l'a vu déjà dans les différentes classes d'engagement. Chien élégant, sportif, qui n'a jamais de lourdeur, oreille naturelle, le foie également, robe fauve, plus ou moins soutenue avec bringure. Préféré masqué de noir, mais ce n'est pas une obligation absolue. En chien sportif, on l'a dit, et évidemment, ça ne pose aucun problème. Issu certainement du berger belge malinois dans cette variété poil court. Chien d'utilisation et encore une fois présent dans les grands événements d'utilisation, toutes disciplines confondues. Vous ne verrez pas, si je ne m'abuse aujourd'hui, sur le CGA, le berger hollandais poil long. Mais sachez que le poil court est vraiment la variété la plus répandue, un petit peu à l'instar des bergers belges malinois, qui représentent la variété la plus répandue au niveau des quatre variétés dans la race. Et bien ici, c'est la plus répandue. Restons en Hollande avec le chien loup de Saarlos. Vous voyez, on a dit tout à l'heure, c'est un chien qui est... Il ne faut pas mélanger la méfiance, la crainte, la réserve. C'est une race qui est définie comme pouvant être un peu réservée avec les étrangers, ce qui ne pose pas de problème dans le comportement. Ce n'est pas un chien... Certains néophytes pourraient dire, oh, le chien est peureux. Non, il n'est pas peureux, c'est... comme ça. Il y a quelques autres races dans les races canines où il est prévu dans le standard que le chien d'emblée n'aille pas sauter au cou des étrangers, c'est comme ça. Et puis je rappelle, ce sont des chiens de berger qui de base pouvaient avoir aussi à l'origine un rôle de protection, non seulement de conduite des troupeaux, mais de protection des troupeaux contre les prédateurs à quatre pattes, voire les prédateurs à deux pattes, à deux jambes. Donc le chien loup de Saarlos en mouvement. Nous restons toujours chez les Hollandais avec le Chapendose. On a vu tout à l'heure ce mâle qui était content d'être là. Je pense que la femelle est contente d'être là également, un chien gay. On a dit petite race à fourrure, hein, mais fourrure raisonnable, donc entretien raisonnable, taille raisonnable, chien sportif, oreille naturelle. Utilisez un Chapendose si vous en possédez un, il sera ravi de pratiquer l'agility, voire de pratiquer des disciplines olfactives. Il a le format pour, il a la volonté, il a le dynamisme. Une race très sympathique, ce Chapendose. La queue ici est naturelle, conservée. Petit chien gay, un chien qui se meut avec cette queue-là, c'est qu'il est content d'être présent. Voilà, il en est entre 50 et 75 à peu près par an, tous les ans, des Chapendoses. Caractère très agréable, assez dynamique, mais pas trop compliqué. Il faut toujours bien se renseigner sur le caractère de la race qui nous plaît morphologiquement, parce que les caractères sont tous différents, comme vous l'a expliqué Daniel précédemment. Donc notre jury maintenant examine une race également qu'on a plaisir à vous présenter, le berger portugais, le Cão de Serra de Aires, avec, c'est vrai pour les spécialistes cynophiles des chiens de berger, une assez forte similitude avec le berger catalan, de pays voisins, de races voisines.
chien de taille moyenne, l'oreille est longue et naturelle. Et c'est vrai qu'on retrouve, pour ceux qui connaissent bien le catalan, des caractéristiques assez proches. C'est une race peu diffusée en France. Ce berger portugais et son utilisation, évidemment, comme tous les chiens qui sont présents dans ce ring, était à l'origine le travail sur troupeau, même s'ils sont tout à fait amenés à pratiquer d'autres activités maintenant ludiques ou sélectives. Trouve nos races voisines. On a parlé longuement au cours des différents commentaires. Donc le berger américain miniature qui sera suivi par le berger australien. Donc on revient sur les caractéristiques très proches de ces deux races, mis à part la taille bien entendu, couleur, morphologie, allure, développées toutes les deux aux États-Unis. Le berger australien est actuellement examiné par notre jury. Le berger australien cède la place au berger belge malinois. Et bien, que dire de plus de ce que nous avons expliqué déjà pour cette variété de berger belge tout à l'heure. Très fort cheptel en France, en Europe, dans le monde entier, puisque c'est la race, c'est le chien le plus utilisé maintenant dans le monde entier par toutes les administrations, les armées, les services des douanes, la police et ainsi de suite. Les chiens de sauvetage également, chiens polyvalents. Très très disponible pour le travail, très disponible. Un malinois, il faut l'utiliser, même si ça peut être un bon chien de compagnie. Ils ne sont pas faits au départ pour cette vocation. Chien d'utilité, toutes disciplines confondues. Et ici, je rappelle que nous avons la variété de berger belge. Poil court, couleur fauve, masque noir, oreille naturelle. Un chien qui n'a pas de lourdeur, qui est construit le plus près possible d'un carré. Il ne doit pas être très long, le berger belge, c'est standard. Et une grande disponibilité au travail. We'll be right back.
Alors, le berger blanc suisse, on vous a dit aussi beaucoup de choses sur ce berger blanc qui a eu le plaisir de s'appeler berger blanc américain, berger blanc canadien, avant d'être fixé avec un standard géré par nos amis et voisins helvétiques. Très proche du berger allemand, il a gardé une construction bien rectangulaire. Toujours blanc, oreille naturelle, de longueur de poil. Je le rappelle, autorisé au mordant sportif en France, avec des chiens présents dans toutes les disciplines d'utilisation. Rappelons pour mémoire qu'un berger blanc suisse a été champion de France il y a 2 ans de recherche utilitaire. Ils sont excellents en pistage et dans les disciplines incluant du mordant, comme le ring, le mondial ring, le RC et le campagne, nous avons des blancs suisses. Ce qui nous permet eh bien, d'être très satisfaits d'avoir autorisé cette race au mordant à la demande de l'association qui la gère. Alors, vous avez vu le malinois, maintenant le blanc suisse. Là, on passe, on avait un tout petit peu de retard, avec le berger belge Tervuren, donc variété poil long, couleur fauve masquée. C'est la seconde variété au niveau du nombre, avec après le malinois, Groenendael Tervuren. La variété la plus rare est restée en le lekenois, la variété poil dur, donc Tervuren, même disponibilité et disposition que le malinois, mais cheptel plus réduit. Un peu de toilettage, mais de toute façon très très raisonnable. Et les mêmes caractéristiques morphologiques que les autres variétés de berger belge. Nous terminerons donc avec le chien-loup tchécoslovaque. Nous avons expliqué tout à l'heure le mode de création de cette race, qui comme le sarlos est très proche bien sûr du loup sauvage. Et il est important de rappeler que cette race, si elle n'est pas soumise aux disciplines incluant du mordant, pas autorisé, eh bien, à des disponibilités très très particulières à tout ce qui est olfactif. Donc, excellent chien de piste, de recherche utilitaire. Un chien dont le comportement est maintenant tout à fait serein, avec un cheptel bien géré par l'association de races qui gère, outre ce chien-loup tchécoslovaque, de très nombreuses races de bergers continentaux. Bien, ce chien le tchèque s'est développé sereinement sur le territoire national avec un cheptel, encore une fois, bien homogène. Voilà, remerciements et félicitations aux propriétaires des concurrentes.
Donc je suppose que nous allons avoir une présélection. Allez, on y va. Alors, sélectionnez le bobtail, s'il vous plaît, monsieur. Sélectionnez le berger hollandais. Sélectionnez le berger américain miniature. Sélectionnez le berger australien. Sélectionnez le chien tchécoslovaque. Voilà, merci aux autres. Alors, sur la troisième marche, c'est le bobtail. Il fait un tour de ring. Un tour d'honneur pour qu'on l'admire. C'est la femelle bobtail. Elle s'appelle Kakuna Matata of Reality Dream. Ah non, pardon, c'est Hakuna Matata, elle doit venir du Kenya. Sur la deuxième marche, c'est la femelle chien-loup tchécoslovaque. Ilan Angaï du domaine de la Combe Noire. Sur la première marche, ce sera la femelle berger australien. Well Blue Limited Edition of Dreamtime Spirit.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. Nobody has changed. I heard my father say every generation has its way. I need to dance so big. Nobody has changed. It's in your destiny. I need to disagree. The moves get in the way. Nobody has changed. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les bassets issus des grands chiens courants, élevés par des moines, ne sont pas très recherchés. Il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour voir apparaître les premières descriptions de type basset, originaires de l'Artois et des Flandres, faisant de la France le berceau de la race. Ces chiens sont alors très appréciés pour leur qualité de chasseurs et leur capacité à garder le nez près du sol. L'élevage de chiens bassets va alors se développer, donnant naissance à de nombreuses races cousines.
Le basset d'Artois est révélé au grand public en 1863, lors de sa présentation par le comte, le couteau de Canteleu dans un chenil d'exposition-vente installé dans le jardin d'acclimatation à Paris. Dès la fin du 19e siècle, un premier standard de race est rédigé. L'équipage Wallampton compose une meute d'une douzaine de couples, mais obtenir le chien exigé par le standard est difficile, et ce n'est qu'en 1935 que naît le vrai basset hound. En France, la première portée est enregistrée en 1962. Malgré son air parfois triste, le basset hound est en fait un chien gai, d'humeur le plus souvent joyeuse. Démonstratif et spontané, il n'hésite pas à utiliser sa voix profonde pour faire partager son enthousiasme à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Chien de meute, d'instinct grégaire, il ne supporte pas la solitude. Au contraire, très sociable, il partagera sans problème son territoire avec des congénères. Il a la peau lâche et élastique, sans exagération. Il peut donc avoir quelques rides, en petite quantité, sur le front, près des yeux, ainsi que sur le cou et les pattes. Son poil est lisse, court et serré, sans être trop fin. Le basset hound est également un chien déterminé et obstiné qui demandera un maître sachant faire preuve de patience dans son éducation et dans l'apprentissage de la propreté, parfois difficile. Chien de chasse, le basset hound est actif, rustique et endurant. Il partagera avec bonheur la vie de maître sportif qu'il prendra plaisir à accompagner dans de longues courses à travers la campagne. Ce chien placide, doux, affectueux, jamais agressif ni craintif, appréciera aussi bien d'aller courir les lapins que d'aller faire un jogging avec ses maîtres, tout comme il appréciera une sieste dans son panier, sa niche ou à votre place sur le canapé. D'origine anglaise, le Beagle a été conçu depuis plusieurs siècles pour le Beagling, la chasse aux lièvres à cour. Il a été importé en France au 19e siècle par des maîtres d'équipage. Jusqu'à la dernière guerre, les Beagles étaient surtout des chiens de meute, utilisés avant tout pour la chasse à cour au petit gibier. Selon un veneur du siècle passé, il est le plus petit chien d'ordre, le plus petit des chiens courants. Il est devenu le favori et le plus recherché de milliers de chasseurs de nos provinces françaises, attirés par ce bel animal. Le Beagle est de loin le chien courant de race pure, le plus nombreux et le plus populaire en France. Son cheptel peut être évalué à plus de 40 000 sujets environ. Il est surtout utilisé actuellement dans notre pays pour la chasse à tir du lapin, du lièvre, du chevreuil, mais aussi du renard et du sanglier. Il s'ameute merveilleusement bien. Les Beagles sont particulièrement nombreux dans l'ouest, le sud-ouest, le centre et le midi. La robe est légèrement tricolore à manteau, le poil est court, dense et résistant aux intempéries. C'est un chien pétillant d'intelligence. Son modèle est harmonieux et sportif. Il est vivace, résistant et montre de grandes qualités de chasse avec une belle voix carillonnante. Le Beagle réunit dans un petit format un maximum de qualité. Sa taille varie de 33 à 40 cm. Sa tête doit être forte sans être lourde, la lèvre carrée avec des oreilles caractéristiques, plates avec l'extrémité bien arrondie. Les yeux sont brun foncé avec une expression vive. Le fouet ou la queue est porté gaiement. Dénué de tout trait grossier, il donne une impression de distinction. C'est un chien vigoureux, de construction compacte. Il est aussi vif et remuant. Il déborde d'enthousiasme et d'énergie, toujours prêt à chaque activité pour laquelle on fait appel à lui. Doué de grande qualité sur le terrain, aimable et éveillé, le Beagle sait aussi se montrer un excellent compagnon à la maison. Enfin, ni agressif ni timide, il est très doux avec les enfants. La race berger australien telle que nous la connaissons aujourd'hui s'est développée exclusivement aux États-Unis. Ce nom lui fut donné par association avec les bergers arrivés aux USA au 19e siècle en provenance d'Australie.
La population du berger australien n'a cessé de croître avec le succès de l'équitation de style western. Leur nature polyvalente et docile, leur vive intelligence et leur aspect attirant ont fait d'eux des chiens précieux dans les fermes et les ranchs américains. Tous les bergers australiens font preuve d'un dévouement inégalé à leur famille. Ils sont attentifs et pleins de vivacité, souples et agiles. Ce sont des chiens de travail intelligents, doués d'un instinct prononcé pour la conduite et la garde des troupeaux. Ils doivent être agiles et capables de changer de direction ou d'allure instantanément. Ils possèdent l'énergie suffisante pour travailler une journée entière. Le berger australien a un don naturel. Il est rarement querelleur, mais peut être quelque peu réservé lors des premières rencontres. Il se montre attentif, intelligent, vigilant et il est animé du désir de plaire. Chaque individu est unique pour ce qui est de la couleur de la robe et des marques. Les coloris reconnus sont le bleu merle, le noir, le rouge merle et le rouge. Toutes ces couleurs sont avec ou sans taches blanches, avec ou sans marques. Le collier blanc ne s'étend pas au-delà du garrot. Le blanc est admis au cou, au poitrail, aux membres et à la partie inférieure du museau. La queue est écourtée ou laissée naturelle. Leurs nombreuses qualités du berger australien sont la garantie de la durée de la popularité de ces chiens. Il fait aujourd'hui partie des 5 races préférées des Français. Entre 1891 et 1897 que la race naît officiellement. Le 29 septembre 1891 se fonde à Bruxelles le club du chien de berger belge. Il en organise un rassemblement de 117 chiens, ce qui permet d'effectuer un recensement et d'opérer un choix des meilleurs sujets. Contrairement à ses voisins allemands ou français, la Belgique est la seule à compter une race bergère avec 4 variétés distinctes sur bien des points. Le berger belge est un chien médio-ligne, harmonieusement proportionné, alliant élégance et puissance, de taille moyenne, de musculature sèche et forte, rustique, habitué à la vie en plein air et bâti pour résister aux variations atmosphériques. Le berger belge est un bon galopeur, mais ses allures habituelles sont le pas et surtout le trot. Sans cesse en mouvement, le chien de berger belge semble infatigable. Sa démarche est rapide, élastique et vive. Il est capable d'effectuer un changement soudain de direction en pleine vitesse. Par son tempérament exubérant et son désir de garder et de protéger, il a une tendance marquée à se mouvoir en cercle. La hauteur désirable est en moyenne de 62 cm pour les mâles et de 58 cm pour les femelles. Le poil étant de longueur, de direction, d'aspect et de couleur variés chez les chiens de berger belge, ce point a été adopté comme critère pour distinguer les 4 variétés de la race. Le Groendal, le Tervuren, le Malinois et le Laikinois. Le Groendal est à poil long et il est exclusivement noirzin. Le Laikinois est la variété à poil dur. Il est uniquement fauve, avec traces de charbonnet principalement au museau et à la queue. Le Malinois est à poil court, uniquement fauve charbonné, avec un masque noir. Le Tervuren est l'autre poil long de la famille. Il est fauve charbonné ou gris charbonné avec un masque noir et le fauve doit être chaud. C'est un chien vigilant et actif, débordant de vitalité et toujours prêt à passer à l'action. À l'aptitude innée de gardien de troupeau, il joint les précieuses qualités du meilleur chien de garde pour la propriété. Il
Il est sans nulle hésitation l'opiniâtre et ardent défenseur de son maître. Il réunit toutes les qualités requises pour être un chien de berger, de garde, de défense et de service. Le berger blanc suisse, comme son nom l'évoque, est sélectionné sous le patronage de la Suisse, où il est présent depuis le début des années 70. La race est inscrite au livre des origines suisses depuis juin 1991. Chien de berger robuste, bien musclé, de taille moyenne, il a les oreilles dressées naturellement. Sa silhouette est élégante et harmonieuse. Le berger blanc suisse se distingue par son caractère d'une douceur et d'une souplesse qui sont exceptionnelles. Il est attentif et facile à conduire. Il montre une forte aisance sociale ainsi qu'une disposition au lien avec son maître. Il se fait remarquer dans de nombreuses disciplines sportives telles que le pistage ou l'agilité. Il sait également se distinguer dans des domaines utilitaires comme chien guide pour non-voyants ou chien de recherche en décombres. Il a une démarche au rythme régulier, dégagé et soutenu. Son poil double présente deux variétés, le court ou le mi-long. Sa robe blanche, alliée à la pigmentation sombre des yeux, en fait un chien particulièrement séduisant à l'œil. Le blanc doit être pur, sans aucune tache, mais des reflets plus ou moins beiges sont tolérés. Le mâle est imposant car il peut mesurer jusqu'à 66 cm au garrot pour un poids pouvant atteindre 40 kg. Sa longévité est de l'ordre d'une douzaine d'années. Le berger blanc suisse est un chien joyeux et docile, mais c'est aussi un sportif qui a besoin de dépenser quotidiennement son énergie. Le berger de Beauce, le bas rouge ou le beauceron sont un seul et même chien. Il s'agit du plus grand et du plus répandu des chiens de berger français. Gentilhomme campagnard, c'est ainsi que la grande Colette a dessiné en deux mots le portrait de son beauceron. Par sa taille, sa puissance, son expression, il apparaît comme le redoutable défenseur de ses maîtres, de son troupeau ou de sa propriété. Son regard est franc, loyal, sévère, voire dur, ce qui lui a peut-être valu dans certaines régions une réputation de chien agressif. Pourtant, ce grand chien noir devient tout bête avec les enfants auxquels il ne sait comment montrer son affection. Dans ses démonstrations, son contact est quelquefois rugueux, car un chien de quelques 50 kg qui veut faire un câlin et pour cela monte sur vos genoux pose quelques problèmes. Une bonne éducation et sa sagesse naturelle lui permettront d'aborder les enfants et les grands-mères fragiles avec toute la douceur nécessaire. En matière d'éducation, il est impératif que votre compagnon apprenne les principes de base qui régissent la maison. Toutes les règles doivent être déterminées au cours des premiers mois, le beauceron pouvant devenir un galopin insupportable ou bien un compagnon irremplaçable. Le beauceron est le chien d'un seul maître. Lorsqu'il a été adopté par une famille, il éprouve d'énormes difficultés à en changer. Que sa mission soit de garder la maison ou de retrouver la brebis égarée, il le fera avec toute sa force, toute son intelligence, mais aussi avec toute sa mesure et sa sagesse. Le berger de Beauce a une autre qualité dont on parle peu, c'est la régularité de son caractère. Au cours de sa vie, une fois adulte, son comportement demeurera le même. C'est un chien qui aboie peu et seulement à bon escient. Le maître qui connaît bien son compagnon pourra, sans sortir de chez lui, savoir qui s'approche du domicile. Il y aura autant d'aboiements distincts que d'événements différents. Il ne faudra jamais oublier que le berger de Beauce est un chien de fière allure, fier de caractère. Toute contrainte injustifiée lui sera inacceptable. Par contre, si son maître se montre équitable avec lui, il fera toujours le maximum pour lui donner satisfaction. Une caresse sera alors la plus belle des récompenses. «
Les origines du bichon à poils frisés sont très lointaines, autour du 14e et 15e siècle et de la Renaissance italienne. Il était alors très répandu dans l'archipel des Canaries. Introduit en France sous le règne de François Ier, il connut une grande vogue sous celui d'Henri III, car le roi lui-même était un fervent admirateur de ce petit chien. Madame de Pompadour en possédera plusieurs, Fragonard le peindra, et le bichon figurera dans de nombreux tableaux de Goya. Ce petit chien de compagnie est un franco-belge, la France et la Belgique étant considérés comme les parrains de sa sélection. Appelé autrefois Tenerife, le bichon à poils frisés est un petit chien de compagnie gai et enjoué, d'allure vive. La hauteur au garrot ne doit pas dépasser 30 cm, sa petite taille étant un élément de son succès. Son port de tête est fier et haut, ses yeux foncés sont vifs et expressifs, sa truffe bien noire. Sa robe est d'un blanc pur, son poil est fin, soyeux, tire-bouchonné et lâche comme la fourrure de la chèvre de Mongolie. Il ne nécessite aucun toilettage particulier. Ses oreilles sont tombantes, garnies de poils finement frisés et longs. La queue est portée relevée et gracieusement recourbée sur le dos. De santé robuste, le bichon à poils frisés s'adapte aussi bien à la ville qu'à la campagne. D'humeur toujours égale, il s'intègre très facilement à la famille de ses maîtres dont il fait la joie. Le bichon à poils frisés est un petit chien plein de charme et de douceur. Sachez le réprimander quand il fait mal, mais faites-lui sentir votre affection par quelques caresses et bonnes paroles lorsqu'il fait bien. Consacrez-lui, même si vous êtes occupé, quelques instants chaque jour. S'il doit vivre en appartement, il est conseillé de le sortir plusieurs fois par jour et de préférence à heure régulière. Le bichon à poils frisés fait très bien la relation entre les balades en liberté, qu'il adore, et le collier et la laisse qu'il supporte parfaitement. Le bichon frisé est un chien accueillant avec de grandes démonstrations de joie. Il est aussi joueur avec les enfants que ce qu'il peut être doux avec les personnes âgées. Maltais sont très anciennes. Les pharaons le chérissaient déjà et l'on retrouve ses traces en Égypte et en Grèce vers 350 à 450 avant Jésus-Christ. Aristote en parle et Timon décrit les petits chiens blancs à la longue robe soyeuse qui accompagnaient les sybarites au bain. À cette époque, ils combattaient les souris et les rats qui pullulaient dans les magasins portuaires et dans les cales des bateaux. Le bichon maltais est un petit chien de compagnie particulièrement élégant. Il ne mesure pas plus de 25 cm au garrot et pèse moins de 4 kg. Le port de cou dressé, comme si la tête était rejetée à l'arrière, est spécifique à la race. Sa robe est d'un blanc pur. Les poils longs, droits et soyeux qui le recouvrent entièrement forment une masse épaisse qui tombe lourdement à terre comme un pesant manteau. Pour lui conserver toute sa beauté, un peignage quotidien est nécessaire. La tête est très belle et bien ciselée, les yeux bien ouverts sont foncés, la truffe au pigment impérativement noir est bien développée. L'oreille assez petite, de forme triangulaire, bien qu'attachée haute, est tombante. La queue est portée relevée, après une grande courbe, la pointe vient toucher la croupe entre les deux hanches. Tout jeune, le chiot bichon maltais doit savoir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Une bonne éducation débutera donc tôt. Sachez réprimander à bon escient et seulement au moment précis où la faute est commise. L'intonation de la voix suffit. Sachez aussi lui montrer votre satisfaction lorsqu'il fait bien. Consacrez-lui, même si vous êtes très occupé, quelques instants chaque jour. S'il doit vivre en appartement, il est conseillé de le sortir plusieurs fois par jour et de préférence après la prise des repas ou à heure régulière. Le bichon maltais s'habitue très facilement au port du collier et à la laisse. De santé robuste, il est rarement malade et peut vivre 15 ou 16 ans. Il a tout au plus les yeux qui larmoient de temps en temps, particulièrement durant la période de dentition. Intelligent, d'un caractère calme et réfléchi, le bichon maltais est un compagnon idéal à tous les âges de la vie. Le Bobtail, aussi appelé Old English Sheepdog, est un chien de berger anglais ancestral au look unique.
Bien que le registre du All English Sheepdog soit britannique, ses ancêtres sont supposés être les European Shepherd Dogs, ou les chiens russes Ovcharka et italiens Bergamasco, croisés aux chiens de berger britanniques. Le Bobtail n'était pas à l'origine le chien de compagnie qu'il est devenu aujourd'hui. Il gardait la ferme et ses habitants, et les éleveurs de bétail se l'étaient adjoints comme conducteur des troupeaux. Le Bobtail est un chien compact, couvert d'un poil abondant, typique et inaltérable. De texture bien rêche, son poil n'est pas droit, mais hirsute et exempt de boucles. Le sous-poil est un feutrage imperméable. Sa queue peut être écourtée comme il était coutume de le faire, ou bien elle est courte dès la naissance. À la marche, le Bobtail roule de l'arrière à la façon d'un ours. Au trot, l'extension est facile et l'impulsion donnée par les postérieurs est puissante. Le Bobtail est fort, très harmonieux et équilibré de construction. Il possède un énorme capital de sympathie. Cependant, les nouveaux acquéreurs sont assez surpris de lui trouver finalement un caractère un peu résistant. Il a souvent tendance à n'agir qu'à sa guise, sans aucune méchanceté bien entendu, car de nature généralement sociable. C'est un chien docile qui présente un caractère égal. Il est hardi, fidèle et digne de confiance. Il n'est aucunement nerveux ni agressif tant qu'il n'est pas provoqué. Le Bobtail est un chien de campagne, intelligent et gentil, typé d'un aboiement caractéristique pour chasser chaque intrus. Fruit de plus de deux siècles d'une sélection sans état d'âme dans un but pastoral, le Border Collie reste indissociable du troupeau, quelle que soit son activité. Le Border Collie est un chien exceptionnel à tout point de vue. Le pedigree définitif d'un Border Collie, et par là même son droit à engendrer des chiens de race, dépend directement de ses aptitudes bergères. En effet, il s'agit de l'unique race dont la confirmation est confiée, par la Société Centrale Canine, à l'Association Française du Border Collie. Ainsi, seul un expert confirmateur de l'association est habilité à juger le test, qui se déroule obligatoirement sur le terrain à l'âge d'un an révolu et en présence d'un troupeau. Le plus utilisé des chiens de berger à travers le monde règne aussi en maître sur les différentes épreuves de travail au troupeau. Sa popularité en France repose sur ses aptitudes bergères et la qualité de son travail dans ses bergeries. Aujourd'hui, les formidables qualités du Border Collie lui permettent également de brillants résultats dans de nombreuses disciplines utilitaires, ludiques ou sportives. Il est cependant primordial, pour que cela perdure, d'avoir toujours à l'esprit l'essence même de ce chien et de continuer sa sélection qui est donc rigoureuse et au troupeau. Entre 1999 et 2013, les naissances ont presque doublé. Cette progression est due à l'acquisition de chiots par des personnes éloignées des bergeries, mais qui sont tombées sous le charme de ce chien de berger hors pair. Le Border Collie est bien proportionné, harmonieux. Il démontre de la qualité, de l'élégance et donne une impression d'endurance. C'est un chien tenace, travailleur et docile. Il est aussi ardent, vigilant, réceptif et intelligent. Le Border Collie est un chien de berger unique en son genre. Sans doute la seule race dont l'essentiel du cheptel est utilisé dans sa fonction première, la conduite des troupeaux. Le bulldog anglais, croisé avec des terriers pour réduire sa taille, est à l'origine du bulldog français. De nouveaux croisements effectués par des éleveurs passionnés dans les quartiers populaires de Paris dans les années 1880 ont donné naissance au bulldog français actuel. Au départ, le bulldog avait une double utilité, ratier et gardien. Rien d'étonnant à ce qu'il devienne le chien favori des bouchers et des marchands dont il gardait les entrepôts et les écuries. Le premier club de race est fondé en 1880 à Paris. Le premier standard est établi en 1898 et a peu évolué depuis. Au début du XXe siècle, on le retrouve chez les nobles, les riches et jusque dans les cours royales, mais aussi sur les fortifs où il est le garde du corps des prostituées et des mauvais garçons. Le bulldog français est un petit chien à l'allure effrontée et vivace. Il est puissant malgré sa petite taille.
Éveillé, actif, intelligent, s'intéressant à tout ce qui l'entoure, courageux et entreprenant, c'est un sportif très musclé, doté d'une solide ossature. Ses yeux, de couleur foncée, assez grands, bien ronds, brillants et pénétrants, et ses oreilles droites et mobiles, sont des éléments importants de son charme et de son succès. Son poil est serré, brillant et doux. Côté couleur, toutes les nuances du fauve sont admises, du rouge au café au lait. Actif, courageux, opiniâtre, bon gardien, le bulldog français a un caractère bien trempé, mais c'est surtout un tendre et un émotif. Son caractère affectueux, l'attachement qu'il voue à son maître, font partie de son charme. Cet amour exclusif peut le rendre dominant et il convient de lui donner une bonne éducation dès le plus jeune âge. Il faudra lui enseigner tout à la fois l'obéissance, la propreté ainsi que l'apprentissage de la solitude. Citadin par excellence, le bulldog français s'adapte bien à la vie en appartement, même s'il apprécie les balades avec son maître. C'est un chien qui a un grand besoin d'exercice. Une petite promenade de 5 minutes est très insuffisante pour son épanouissement physique. Le bulldog français adore les enfants. Il aime partager leurs jeux. Il aime aussi les siestes sur une couche confortable. Le boulier bernois est un chien d'origine ancestrale qui, dans les campagnes suisses du canton de Berne, était utilisé comme chien de garde, de trait et de bouvier. Dès 1907, des sujets de cette race furent présentés à des expositions canines et le club suisse de Durbaclair fut créé. Aujourd'hui, le bouvier bernois est connu et apprécié dans le monde entier grâce à sa robe tricolore aux marques et taches bien réparties, à ses facultés d'adaptation et à ses qualités de chien de famille. Il appartient à la famille des bouviers suisses qui comprend 4 races distinctes, dont il est le plus répandu actuellement. C'est un chien d'utilité à poils longs, puissant, souple et bien proportionné. Sa taille est supérieure à la moyenne. Dans son pays d'origine, le bouvier bernois se distingue par la diversité de ses aptitudes, que ce soit en piste, en défense ou dans des activités sanitaires. Il est sportif et se distingue aussi par des disciplines comme l'attelage. Bien équilibré, attentif, vigilant et sans peur dans les circonstances de la vie de tous les jours, il est d'un bon naturel et fidèle envers ses familiers. Sûr de lui et pacifique envers des étrangers, il est de tempérament docile. Sous son air aimable et attendrissant, se cache également un gardien qui saura faire son job, le cas échéant. N'oubliez pas que ce beau colosse fait une mue saisonnière 2 fois par an. Tendre et sympathique au quotidien, le bouvier bernois requiert votre présence aussi souvent que possible. Sa noblesse naturelle, la beauté de sa robe, l'équilibre de ses formes expliquent pourquoi certains le considèrent comme l'une des plus belles races canines. Le Bullenbeisser était prisé par les chasseurs. Son travail consistait à saisir le gibier forcé par les chiens courants et à maintenir sa prise jusqu'à ce que le chasseur arrive et achève l'animal. Pour cette tâche, le chien devait avoir une gueule avec des arcades dentaires aussi larges que possible afin de pouvoir assurer sa prise et la maintenir. Ainsi s'effectua une sélection qui produisit des chiens au museau large et à la truffe repoussée vers l'arrière. Une chienne née en France nommée Flora serait à l'origine des grandes lignées de la race. Le Boxer Club allemand voit le jour en 1896 et ouvre son livre dans la foulée. La femelle blanche Meta deviendra une icône du boxer. Le boxer est un chien de taille moyenne, au poil ras, d'aspect ramassé, à la construction carrée et à l'ossature puissante. Ses allures sont vives, pleines de noblesse et de puissance. De couleur fauve ou bringée, il doit avoir des nerfs solides, être sûr de lui, calme et équilibré. L'attachement et la fidélité dont il fait preuve envers son maître et toute la famille sont réputés depuis toujours, ainsi que sa vigilance et son courage indéfectible comme défenseur. Il est sans danger pour sa famille, gai et amical quand il joue, mais méfiant à l'égard des étrangers. Il ignore la crainte quand il se fâche. Il est facile à dresser grâce à sa docilité, à son assurance, son courage, son mordant naturel et ses aptitudes olfactives.
propre et d'un entretien facile, il est aussi agréable et précieux comme chien de famille que comme chien d'accompagnement, chien de défense ou chien d'utilité. Athlète, joueur invétéré, le boxeur est un compagnon qui ne ménage ni son punch, ni sa joie, à partir du moment où il est proche de son maître. L'adage « un boxeur un jour, un boxeur toujours » se vérifie sans cesse. Pionnier du braque, il s'agissait de fixer une race nationale dont les performances se rapprocheraient de celles des chiens d'arrêt britanniques tout en se conformant à un programme d'utilisation spécifiquement allemand. La qualité la plus importante de ces chiens était leur faculté d'arrêter le gibier. Avec la mise au point du fusil à deux coups en 1750, leur utilisation devint encore plus nécessaire. On tirait la plume au vol devant le chien. Le braque allemand moderne a été fixé durant la deuxième partie du 19e siècle en Allemagne à partir de nombreuses variétés locales de chiens d'arrêt, plutôt lourds et assez peu performants dans l'ensemble. La race est très rapidement fixée, dès les années 1900. À la même époque, afin d'améliorer la pigmentation et les performances en plaine, deux éleveurs importants, Alteno et Wash, réalisèrent une retrempe avec une lisse pointer noire, issue elle-même de cette génération de noirs unicolores. Les produits de cette retrempe furent systématiquement croisés avec les meilleurs reproducteurs de l'époque, mais firent l'objet d'un livre d'élevage séparé sous la dénomination de braque prussien. En Tchécoslovaquie, il existe un élevage de très grande qualité, dont l'élevage français est à bien des égards tributaire. Dans l'Hexagone, après-guerre, la race commença à se développer à l'est du pays. Le braque allemand présente des robes variées, marron unicolore, noir ou marron plus ou moins truité, blanc à plaques marron, fauve plus ou moins foncé, etc. C'est un chien racé, harmonieusement proportionné. Il est puissant, endurant et rapide. Il est réputé pour sa polyvalence, susceptible de chasser en plaine comme au bois, le gros comme le petit gibier. Il est capable de rapporter sur tous les terrains et de pister le gros gibier blessé. Il peut détruire les prédateurs et défendre le cas échéant son maître contre l'agression d'un braconnier. Le comportement du braque allemand est ferme, équilibré, digne de confiance. Ni nerveux, ni timide, ni agressif, il a des réactions contenues. Le braque de Weimar, ou Weimaraner, aurait une origine lointaine présumée française malgré sa dénomination germanique. En effet, lors des premières croisades pour libérer les lieux saints de l'emprise du sultan d'Égypte, au XIIIe siècle, Louis XIX aurait ramené de Palestine quelques chiens gris. Morphologiquement bâtis en puissance, ils étaient robustes et très endurants. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que ces chiens fassent de nouveau leur apparition, et cette fois en Allemagne, à la cour de Karl Auguste, grand-duc de Saxe-Weimar. Le club du braque de Weimar allemand fut fondé en 1897 et le tout premier standard fut adopté en 1935. En France, le cercle des amateurs du braque de Weimar, affilié à la Société Centrale Canine, est créé en 1978 par un groupe de fervents amateurs. Surnommé Crégost aux États-Unis, il jouit aussi outre-Atlantique d'une indéniable notoriété. Le braque de Weimar se présente comme un chien de chasse de taille moyenne, dont le type est adapté au travail de chien d'arrêt, sec, bien musclé, mais beau dans ses formes. Le standard de taille de ce chien est élastique, autour de 67 cm pour les mâles et de 63 cm pour les femelles. Chiot, le Weimar a des yeux bleu pervenche qui commenceront à évoluer vers le vert puis l'ambre dans sa première année. À l'âge adulte, les yeux sont de couleur ambre clair à ambre foncé, de forme ronde, posée en amande. La robe du braque de Weimar doit donner l'impression d'être gris argenté, de gris très clair à gris foncé. La tête est en général plus claire, surtout chez les chiens à pigmentation foncée. C'est un compagnon polyvalent, docile, passionné pour la chasse. Son flair est d'une qualité remarquable, ainsi que son travail après le coup de feu. Votre braque de Weimar est donc un chien de chasse. Il doit être bien équilibré, proche de son maître et de toute la famille, avec un cœur gros comme ça.
spectateurs de combat opposant taureaux et bulldogs, les Anglais eurent l'idée vers 1830 de croiser ces derniers avec des terriers, créant ainsi le bull terrier, animal plus agile qui fut vite surnommé le gladiateur de la gent canine. Le bull terrier actuel ne présente plus, heureusement, les caractéristiques pour lesquelles il a été créé. Des dizaines d'années de sélection rigoureuse en ont fait un admirable chien de compagnie. Dans certains pays, il est surnommé la nounou des enfants. Le bull terrier se présente sous deux formats, le standard et le miniature, ce dernier ne devant pas excéder 35 cm. Avec sa tête ovoïde, ce chien est pour le moins doté d'un physique original. Très musclé et compact, il est bâti tout en force. Sa robe au poil court, luisant et dur au toucher, peut être blanche immaculée ou allier le blanc à la couleur fauve ou bringée. Le bull terrier est un chien très sociable. Il voue une admiration sans borne à son maître ainsi qu'aux membres de la famille. Cet attachement s'applique aux humains en général, ce qui en fait un bien piètre gardien. Dynamique et très joueur, il a besoin de vraies promenades et de séances de jeu pour s'épanouir. La solitude, l'ennui et l'inactivité lui sont difficilement supportables et le rendent destructeur. Une activité sportive sans excès, et même natation pour certains, lui fera garder la forme. Il aime, une fois défoulé, consacrer de longs moments de repos dans un coin douillet. Le canapé est son lieu de prédilection. Pour le chiot qui semble infatigable, son maître saura inclure dans ses promenades citadines, courtes mais fréquentes, des exercices de bonne conduite sociale, tels que apprentissage du caniveau, marche à la laisse, etc. Bien qu'obstiné, cet animal vif, intelligent et résolu sera d'une très agréable compagnie. Le bulldog est une institution outre-Manche car il est l'un des piliers de la cynophilie mondiale. L'appellation bulldog vient de bull, taureau en anglais, et date de 1630. Ce chien de petite taille était utilisé à combattre le taureau ou d'autres chiens jusqu'à la fin du 19e siècle. Il a vu son caractère s'adoucir par le rigoureux travail de sélection des éleveurs. Malgré son ancienneté, le bulldog n'a été reconnu définitivement qu'en 1955 par la FCI. C'est un chien au regard royal, costaud, grave et bon à la fois, mais c'est aussi un compagnon courageux, dévoué et très digne. Il a le comportement calme de tous ceux qui ont confiance dans leur force. Son physique particulier lui confère un masque que certains trouveront grognon, alors que c'est un chien heureux de vivre, débonnaire et sensible. Il est trapu, large, puissant, compact, de taille moyenne malgré ses 25 kg. Son poil est lisse, de couleur fauve, bringé, blanc ou associant ses différents teints. C'est un chien sensible. Il supporte mal les réprimandes injustifiées, recherche l'affection et doit donc être élevé en douceur. Sa morphologie particulière le rend spécialement sensible à la chaleur excessive. Les aliments industriels constituent des rations équilibrées qui conviennent particulièrement à la croissance rapide et à l'entretien de ce molosse. Sa taille réduite et son caractère placide font de lui un bon citadin qui s'adapte aisément à la vie en appartement. D'aspect dissuasif, le bulldog n'est pas un chien de garde, même s'il est vigilant vis-à-vis des inconnus. Il est généralement calme et aboie relativement peu. Il a une nature aimante et affectueuse envers sa famille et ses amis. Le Cairn Terrier fait partie de la grande famille des terriers d'Écosse. On le retrouve dans des écrits du 15e siècle. Jacques VI d'Écosse envoya une cargaison de terres rares, ancêtres de nos terriers d'Écosse, à Louis XIII. Au XVIIe siècle, la race est assez répandue en Écosse, où l'on apprécie et utilise son adresse et son instinct de chasseur. À la fin du XVIIIe siècle, il conquiert l'Amérique et sa réputation s'étend alors dans le monde entier. En France, sur le plan numérique, il est le challenger du West Highland White Terrier, le leader dans cette famille.
Plein d'allant et de tempérament, il a avec ses faux airs de renard et son petit museau triangulaire un charme certain. Intelligent, rusé et malicieux, c'est un chasseur de nuisibles de première force, un chien rustique et sans complexe. Il pèse environ 6 kg pour 29 cm de hauteur. Ses pattes sont courtes, son ossature solide. Ses oreilles sont pointues, dressées et ses yeux enfoncés couleur noisette. Son poil est abondant avec un sous-poil dru résistant aux intempéries. Sa robe est sable, gris, gris foncé ou poivre sel. Le quinterrier a une forte personnalité. Amour et grande fermeté lui sont donc indispensables. Plus à l'aise à la campagne qu'à la ville, sa grande faculté d'adaptation l'amène à être confortable également en milieu sédentaire. Il est conseillé de le sortir régulièrement en laisse ou sans lorsqu'il est éduqué pour cela. Agile, éveillé, il présente un naturel intrépide et enjoué. Il est sûr de lui, mais pas agressif. Enfin, le quinterrier est un être à part entière qui aime participer complètement à la vie familiale. Le caniche est la race française la plus populaire dans le monde entier. Étymologiquement, son nom vient de canne, la femelle du canard, et de l'idée de barboter, puisqu'il était à l'origine employé à la chasse aux oiseaux aquatiques. Le caniche est devenu très populaire en tant que chien de compagnie grâce à son caractère aimable, enjoué et fidèle. C'est un compagnon idéal de toute la famille, un petit clown qui adore jouer avec les enfants. Le caniche est un phénomène de douceur, qui aime venir se blottir sur les genoux de ses maîtres. Mais c'est aussi un sportif qui adore les longues balades. Il excelle dans de nombreuses disciplines dans lesquelles il peut démontrer toute sa polyvalence. Agilité, danse avec les chiens, pistage, etc. Il existe en quatre tailles, toy, nain, moyen et grand. Et dans six couleurs, noir, blanc, marron, orange, gris et rouge. Ce qui permet à chacun de choisir son animal selon ses préférences. Le caniche a une démarche sautillante et légère. C'est un chien de type médioligne, à fourrure frisée caractéristique, bouclée ou cordée. Il ne perd pas ses poils dans la maison. Sa tête est distinguée, rectiligne, proportionnée au corps. D'expression ardente, les yeux sont légèrement obliques et doivent être en amande. La queue peut rester naturelle ou être écourtée. Le caniche a l'aspect d'un animal intelligent, constamment en éveil, actif et harmonieusement construit, qui donnera une impression d'élégance et de fierté. C'est un chien réputé pour sa fidélité, apte à apprendre et à être dressé, ce qui en fait un chien de compagnie particulièrement agréable. Le carlin est originaire de Chine et a été introduit en Europe par les marchands de la compagnie néerlandaise. Il fut très populaire aux Pays-Bas dans les années 1500. De nombreuses peintures d'époque le représentent auprès des plus grands des cours de Hollande et de Grande-Bretagne. Le nom français carlin, en italien carlino, fait référence à l'acteur Carlo Bertinazzi, célèbre à Paris au XVIIIe siècle. En tant qu'interprète d'Arlequin, dans la tradition de la Commedia dell'arte, ce dernier portait en effet un masque noir. En Chine, c'est un animal important du bestiaire religieux et folklorique, ses représentations jouent le rôle de porte-bonheur. Certains petits chiens, à l'instar du carlin, sont sélectionnés pour être des évocations vivantes du chien-lion mythologique. Le carlin est compact et trapu, beaucoup de substance en un petit volume. Il a une musculature ferme et le corps ramassé dans ses proportions. La queue est attachée haut, formant une boucle aussi serrée que possible sur la hanche. La double boucle est très recherchée. Son allure est caractéristique par un léger roulis du train arrière. Argent, abricot, fauve ou noir, chaque couleur est nettement définie afin de souligner le contraste clair entre la couleur de robe, la trace centrale et le masque.
Le poids idéal d'un carlin va de 6 à 8 kg. Par son caractère, il présente un grand charme, de la dignité et de l'intelligence. D'égale humeur, il se distingue par sa nature heureuse et enjouée. Populaire en Grande-Bretagne, ce petit épagneul à l'origine très ancienne était à la mode dans les cours royales européennes au XVIIe et XVIIIe siècles. Il n'est pas rare de découvrir sur les gravures et tableaux des peintres de l'époque un petit cavalier blotti dans de somptueuses robes. De cet état de chien de cour, le cavalier a gardé une démarche fière et un caractère affirmé. Lorsqu'il se déplace, le cavalier King Charles doit présenter un mouvement dégagé et élégant avec beaucoup d'impulsion de l'arrière. Pour sa fourrure, si possible tous les jours ou en tout cas au moins une fois par semaine, brossez et peignez-la pour éviter les nœuds, surtout si vous l'emmenez régulièrement à la campagne ou dans les bois. Ses oreilles nécessitent un entretien régulier. Elles doivent être contrôlées et si nécessaire, nettoyées une fois par semaine. Il offre 4 variétés de robes, noir et feu, rubis, d'un rouge intense. J'ai plus de micro. Je continue, c'est bon. Alors, des chats ont été amenés d'Europe dans les bateaux pour éviter les souris, les rats, etc., dans les grains et les réserves qu'il y avait dans les cales. Et ces chats, une fois arrivés aux États-Unis, ont été lâchés ou se sont sauvés des bateaux et sont allés dans l'état du Maine, parce que c'est là qu'ils sont arrivés, vers Boston, Philadelphie, qui sont arrivés en tout premier lieu. Et les voilà, vous pouvez retourner sur votre table. Allez, voilà, c'est bon. Je ne sais pas où est la caméra. Ça y est revenu. On y va sur la table. Donc comme ça, vous allez les voir sur l'écran un peu mieux. Donc je disais que ces chats sont arrivés d'Europe il y a très longtemps sur les premiers bateaux, le Mayflower d'ailleurs en premier, et après, une fois lâchés dans la nature, ça a donné des chats qui, par mariage, etc., avec les chats originaires de là-bas, des chats extrêmement solides, puissants, grands, longs. Alors Maine Coon, Maine, l'état du Maine d'où ils viennent, un état où il fait très très froid en hiver, on va à moins 40 degrés, et très chaud en hiver, on va à plus 40 degrés. Plus 40 degrés. Donc un chat qui doit subir ces saisons et cette température tout au long de l'année. Alors on veut un chat qui soit long et rectangulaire, avec une ossature extrêmement forte, puissante. La fourrure est semi-longue. Elle doit être un petit peu plus courte et lisse sur le dos. Et elle est, si tu peux montrer le ventre, elle est plus dense, plus intense au niveau du ventre, du cou et des cuisses, des culottes comme on dit, en fait pour protéger les parties fragiles du chat, qui sont les parties respiratoires, digestives et sexuelles. Un chat qui est très à la mode en ce moment, le Maine Coon, quand on voit la stature du chat, le côté calme, tranquille. Alors puisqu'on est avec les chiens, on va comparer avec une race de chiens, ça va être le dog allemand en fait. Grand, long, rectangulaire, sauf que le dog allemand a le poil court et le Maine Coon a le poil long. Mais sinon, il y a cette taille, ce calme qu'il y a dans le dog allemand qu'on retrouve chez le Maine Coon, avec cette tête longue et rectangulaire, le museau est carré à son extrémité, on a une courbe au niveau du nez qui ressort bien ce museau, on dirait une tête de lion, vous le voyez de près là sur les écrans derrière vous. Les oreilles sont placées haut sur la tête, les yeux presque ronds, assez grands. Voilà notre très très beau Maine Coon. Alors on a un brown bloodshed tabby qui est le mâle qui est ici, et à côté sa petite copine, je ne sais pas sa petite copine, sa fille, sa nièce, allons-y, sa nièce qui est toute noire, dont toutes les couleurs sont permises sauf la couleur du siamois. Alors ensuite, un autre chat très rustique qui est le sibérien. Alors comme son nom l'indique, là c'est beaucoup plus facile, sibérien. Chat qui vient aussi du froid, aussi où il fait très très chaud en été, mais super froid en hiver. Ça veut dire un chat à fourrure semi-longue, à fourrure extrêmement épaisse. Le dessus de la fourrure, le poil de garde, doit être comme imperméable. Donc l'eau, la neige, rien ne rentre
dedans. Le dessous de poil est très dense, extrêmement intense, et on a toutes les couleurs qui sont permises. Celui-ci est red point, donc il a les yeux bleus, mais il pourrait être brown tabby comme celui d'à côté. On ne les marie pas ensemble, vu que le standard est différent. Si tout à l'heure, avec le Maine Coon, on avait un corps long et rectangulaire, là, on a un corps qui ressemble, il est comparé à un tonneau. Donc, assez rond, puissant et beaucoup moins long, évidemment, que le Maine Coon. Beaucoup, beaucoup de fourrure. Si la tête tout à l'heure était rectangulaire, cette fois-ci, elle va être, on va dire, triangle avec les contours arrondis, très large, avec des jolis yeux bleus. C'est le sibérien. On va passer à beaucoup plus petit parce qu'elle n'a que 4 mois, 5 mois, 6 mois. Bon, j'arrête là. Hein. 6 mois, c'est le chartreux. Le chat français par excellence. Le chartreux. Chat uniquement poil court. Uniquement de couleur grise, qu'on dit bleu. Sachant que tous les chats bleus ne sont pas des chartreux. Un chat que vous trouvez dans la rue qui est gris n'est pas forcément un chartreux. S'il n'a pas son pédigré de chartreux autour du cou, c'est pas un chartreux. Donc le chartreux, on demande une fourrure qui soit relativement épaisse, mais courte. Elle est dense, elle est assez laineuse en sous-poil, et on a une couleur tout à fait uniforme quand ils sont adultes. La tête doit présenter un triangle au contour légèrement arrondi. Les yeux sont de couleur or à doré. Alors le chartreux élevé par les moines chartreux, qui les élevaient pour conserver leur silo, sans rat ni souris aussi, c'est un très très bon chasseur, c'est un chat qui présente aucun point trop lourd ou trop léger. On va dire que le siamois est très très léger et le persan très lourd. Là, le chartreux doit être très équilibré pour être un bon chasseur. Malheureusement, ces chats ont servi très longtemps pour faire des pelisses à cause du fait du poil court, du poil laineux, du poil chaud et d'une seule couleur. Donc on faisait des pelisses avec malheureusement leur fourrure. Ensuite on a le Bombay. Alors on est passé des États-Unis en Russie, on est resté en Russie, non on est revenu en France avec le chartreux, nous voilà avec le Bombay qui était une petite panthère noire très ronde. Alors c'est un chat qui est assez petit quand on le regarde, mais lourd, il est dense, il est très musclé. La fourrure est tellement courte, tellement brillante, qu'on a l'impression de toucher du cuir. Tout est très 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 brillant. C'est une petite panthère noire, extraordinaire à vivre. La poitrine est large, le dos est large, c'est petit mais rond. On va comparer ça, puisqu'on est dans les chiens, avec le bulldog un petit peu, le petit bulldog français. La tête assez ronde, un petit bump sur le nez, c'est-à-dire une petite bosse sur le nez, et de très jolis yeux or, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Oreilles assez espacées, pas trop grandes. Ce sont des chats qui sont adorables, qui ont une voix qui grince quand ils miaulent, on dirait une porte qui grince. Ce sont des petits diables, extraordinaires à vivre, très intelligents et très vifs. On arrive avec un chat extrêmement rare, qui est l'oxycate. Très rare, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, c'est une chance d'en avoir aujourd'hui. Regardez un petit peu les taches de ce chat. Les taches sont très distinctes, très séparées les unes des autres, comme peint à la main. Alors, on dirait un fauve. Et en fait, c'est un chat qui a été fait aux États-Unis au début par un mélange d'abyssin, d'oriental, qui a donné cette très jolie race. Ce n'est pas mélangé avec aucun fauve. Aucun chat sauvage. Regardez la tête de ce chat, extraordinaire. Le regard très typique de la race, les oreilles, le placement des oreilles est très typique. Ça s'appelle un oxycate. On a une fourrure à la fois dense, brillante, et ces spots, les taches qu'on appelle des spots, qui sont très distincts les uns des autres, comme peints à la main. Il y en a très très peu, malheureusement. Ça s'appelle un oxycate. Très très joli sujet. Américain. Ensuite, des États-Unis, nous voilà en Éthiopie avec l'abyssin. L'abyssin, on a beaucoup de couleurs. L'abyssin est un chat élégant, mais musclé en même temps, qui se tient toujours sur la pointe des pieds, toujours prêt à chasser, toujours prêt à bondir, très vif, extrêmement vif d'esprit.
Si on prend un poil, qu'on le met sur un papier blanc, on va avoir des bandes différentes, des couleurs différentes, qui sont une belle couleur de camouflage. Là, on a un bleu, mais si on le met devant des cailloux, devant une pierre, on ne le verra absolument pas. Ça, c'est le camouflage. On va imaginer un lion, on va imaginer une biche, un daim, un cerf, même un hérisson. Tous ces animaux-là ont ces bandes de ticking qui sont un excellent camouflage. La tête de l'abyssin, triangle, avec les contours arrondis, et tout doit être arrondi, le nez arrondi mais légèrement, le crâne arrondi mais légèrement. Les oreilles sont grandes, assez grandes du moins, et toujours pointées vers l'avant, toujours très alertes. Ça s'appelle l'abyssin. On a beaucoup, beaucoup de couleurs d'abyssin. Son pendant à poils longs sera le Somali. On va passer à un chat. Alors, on va aller d'Éthiopie, on va aller au Canada. Alors, son nom, c'est le sphinx égyptien, mais n'a rien à voir avec l'Égypte. En fait, le premier trouvé a été trouvé, trouvé du moins, et répertorié, gardé. C'est au Canada, en Ontario. Le sphinx, donc, ils naissent comme ça, ils vivent comme ça, sans poils. Et pour ceux qui ne peuvent pas le toucher, vous êtes assez nombreux à ne pas pouvoir les toucher, malheureusement, c'est imaginer toucher une pêche chaude. Donc, ce petit, tout petit velours qu'on a sur une pêche, on l'a ici, est chaude parce qu'il y a 38 degrés là-dedans. Donc voilà, le sphinx, je voulais le dire, mais il parle pour moi, extrêmement curieux, qui n'a peur de rien. Vous mettez un sphinx au pied d'un éléphant, il va juste lever la tête en se disant « il est bien grand, comment je vais monter là-dessus » Mais il n'aura absolument pas peur. Donc le sphinx, cette peau de pêche chaude, la poitrine est assez large, on va le comparer aussi à un petit bulldog avec cette poitrine large, le ventre toujours arrondi. Le seul inconvénient du sphinx, c'est qu'il mange beaucoup. Il mange beaucoup pour conserver cette température interne. Donc, encore une fois, ce n'est pas un chat malade, ce n'est pas un chat rasé, ce n'est pas un chat qui vient de Tchernobyl, c'est juste une mutation qui s'est placée sur le poil. Donc, il n'y a pas de poil. Il y a des souris qui naissent comme ça, des rats qui naissent comme ça, des chiens. Il y a deux, trois races de chiens sans poil. Et nous avons aussi plusieurs races de chats sans poil. Donc, absolument naturel. Et quand ils reproduisent la même chose sans poil. C'est la peau qui est colorée. S'il avait du poil, celui-ci serait d'une couleur bleutée, un très joli bleuté d'ailleurs. Les pommettes sont saillantes. Les pommettes, c'est les losses qu'on a en dessous des yeux, doivent être saillantes. Le creux, le pinch qu'on appelle, ce qu'on appelle le pinch, c'est en fait derrière notre mâchoire, derrière notre bouche, qui doit être bien prononcé. Les yeux en forme de citron, en forme, hein, pas en couleur, forme de citron. Les oreilles très très grandes. Et les doigts qui paraissent toujours très longs. On a l'impression qu'ils ont des mains, et comme c'est un animal très intelligent, ils se servent de leurs pattes comme des mains, effectivement. Donc c'est le sphinx. Ensuite, nous avons l'American Shorthair, très placide, fier, tranquille. Tu me diras combien de temps on a, hein ? L'American Shorthair. Donc, en Europe, on a ce qu'on appelle les Européens. Ce sont les chats de base qu'on a eus en Europe. Les Anglais ont eu les British Shorthair et les Américains, les American Shorthair. Voilà un bel exemple d'American Shorthair. L'American Shorthair, c'est un chat puissant, puissamment musclé, grosse ossature. Un chat qui doit être capable aussi de chasser tout à fait naturellement. Il doit se subvenir à ses besoins lui-même. Belle musculature, très belle ossature. Regardez cette robe qui est absolument somptueuse, qu'on appelle Black Silver Bloodshed Tabby. Très très belle couleur. Il y a pas mal de couleurs autorisées dans cette race-là. On dirait qu'il est dessiné à la main aussi. C'est l'American Shorthair. Poitrine large, un autre bulldog, avec les pattes bien larges, bien espacées par une poitrine très très large. Le dos est large. La queue est assez épaisse sur toute sa longueur. Tête large avec ce museau qui se détache bien, grands yeux, oreilles placées légèrement sur les côtés, ce museau très très carré à son extrémité, c'est l'American Shorthair.
Ensuite, nous avons le Scottish Fold. Donc, des États-Unis, nous repassons en Écosse. Pour le Scottish Fold, c'est une autre mutation. En mutation, on a eu le Sphinx. Et voici le Scottish Fold, qui est un chat assez compact aussi, assez lourd, qu'on peut marier avec l'American Shorthair, qui est à côté. Il a, lui, sa mutation, ce sont les oreilles qui sont repliées vers l'avant. Elles sont petites et repliées naturellement vers l'avant. La tête est ronde, les yeux sont grands, assez ronds. Et on a cette expression très douce avec cette tête ronde, le crâne bien rond. Petite courbe au niveau du nez et ces petites oreilles, comme ça on dirait des petites chouettes. Très très beau. Donc tous ces chats sont des chats qui ont des pédigrés. Ce sont des chats dont on connaît les ancêtres. Donc le lof est là pour faire les pédigrés, reconnaître ces chats. Et maintenant les chats vont arriver en championnat. Voilà un très très beau sujet, Scottish Fold. On va repasser un petit peu dans la géographie avec le Scottish Fold d'Écosse. Très joli sujet. Toutes les couleurs sont permises. Tête ronde, gros yeux, assez ronds. Petites oreilles naturellement repliées vers l'avant. C'est une mutation qui a donné ses oreilles. On a une autre mutation avec les oreilles retournées vers l'arrière. C'est l'American Curl. Alors la mutation, en fait, c'est un changement qui s'est fait sur la peau, sur les oreilles, sur la queue. On a des chats aussi qui sont qu'on appelle des manx, qui n'ont pas de queue, qui viennent de l'île de Man. On a le Japanese Bobtail, qui a une toute petite queue en pompon. En général, les chats des îles ont la queue qui rétrécit, parce qu'ils se marient toujours entre eux, et ça donne les manx ou les Japanese Bobtail. Donc on va revenir déjà à ceux qu'on a ici, ce sera déjà pas mal. Le Scottish Fold, donc petites oreilles repliées vers l'avant. Magnifique American Shorthair, très belle stature. Chat très grand, puissant, puissant en ossature, puissant en musculature, très belle couleur, beau contraste avec ce fond argent, les dessins tout noirs. Magnifique sujet, vous pouvez voir le dessin sur le dos, on dirait qu'il est fait à la main. Ensuite, on va passer au Sphinx, mutation, donc chat tout à fait naturel, qui se marie comme ça, qui naît comme ça, qui vit comme ça, très très longtemps. Joli corps, la peau de pêche, profil avec une légère cassure au niveau du nez, grandes oreilles, jolie musculature, ossature fine aussi, musculature ronde dessus, assez sèche, à part le ventre qui est toujours rond. Ce qu'on dit en fait du sphinx, ce qu'on veut chez eux, c'est du ventre et des rides, c'est ce qu'on ne veut pas chez nous. Eh oui, des rides et du ventre. On va revenir à l'abyssin. Une très ancienne race. Ici, on a un bleu. On pourrait avoir un lièvre aussi, couleur lièvre. Ici, on a un bleu. Ventre de couleur un peu crème. Vous voyez la couleur du ventre, très jolie. L'abyssin, un chat très vif. Très, très jolie robe. Joli ticking. Un chat élégant qui se tient toujours sur la pointe des pieds. Pour moi, c'est le chat qui représente le mieux la race féline. Quand il est assis, on a l'impression d'avoir basse tête. Il lui manque juste une petite boucle d'oreille et on a basse-tête. Très très joli chat. On revient à l'Oxycat, magnifique robe. Un chat en puissance, en musculature, en élégance. Un chat prêt à sauter sur sa proie. Magnifique spot. Très jolie tête, les oreilles bien placées. Ça s'appelle l'Oxycat, il y en a très 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 peu. Très beau spot, en tout cas pour celui-ci. Les spots, ce sont les taches. Qu'on appelle des spots, on dirait qu'il est fait à la main, magnifique. C'est l'Oxycat. On en vient à nos Bombay. Deux petites panthères noires, toujours prêts à une bêtise. Personnellement, je les appelle des sacs à conneries, parce que ce n'est que ça. On dirait des petites douceurs noires. C'est absolument extraordinaire de gentillesse. Juste la voix qui grince, mais alors c'est toujours prêt à rentrer dans un meuble, à rentrer dans quelque chose pour faire une bêtise. C'est vraiment extraordinaire. La fourrure extrêmement douce, extrêmement lisse, très courte, très peu de sous-poils. On a l'impression de toucher du cuir, tellement elle est courte, douce et près du corps. La tête ronde, les yeux assez grands, une légère courbe au niveau du nez.
les oreilles bien placées sur les côtés. Petit bulldog, si on les compare aux chiens, on va comparer des petits bulldogs. Beaucoup d'activité, une race extraordinaire. Ensuite, nous avons nos deux races rustiques. Rustiques, c'est-à-dire, on les sort de la forêt, ils sont là, ils doivent être capables de vivre été comme hiver dehors. Le sibérien, donc comme son nom l'indique, de Sibérie, du froid, beaucoup de sous-poils, énormément de sous-poils, pas mal de longueur de sous-poils. L'eau ne rentre pas, l'eau ne pénètre absolument pas jusqu'à la peau. On a quelques races de chiens comme ça aussi. Toutes les couleurs sont permises. Là, on a des beaux yeux bleus, on a un color point, un red point avec des très très beaux yeux bleus. C'est un chat puissant. Le corps doit ressembler à un tonneau, donc en rondeur, mais une certaine longueur quand même. Vraiment le tonneau. Quand on les touche, c'est vraiment extrêmement large, extrêmement puissant et lourd. Donc on sent un chat qui peut vivre dehors vraiment sans problème. Et nos Maine Coon, voilà le chat très stressé. Maine Coon. Nos deux Maine Coon, donc lui et eux qui nous viennent des États-Unis. On a un mâle mature et une très très jeune femelle. Maine Coon, donc comme son nom l'indique, l'état du Maine, c'est leur provenance. Et Coon, parce que la queue, comme elle est annelée, voilà, si on peut la montrer, elle est annelée, elle ressemble à la queue du raccoon, donc le raton laveur aux États-Unis, on les appelle les raccoons. Voilà pourquoi on les a appelés les Maine Coon. Un chat puissant, le corps est long, il est rectangulaire, l'ossature est très puissante, la tête est longue. On comparait tout à l'heure au dog allemand, c'est tout à fait ça, avec la hauteur sur patte. La longueur de corps, ce museau très très large. Alors la femelle, c'est une chippie, c'est normal. C'est une jeune femelle et le mâle qui se demande, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Voilà, grands yeux, presque ronds, museau qui se détache bien de la tête avec une certaine longueur. Les oreilles sont hautes, bien placées ici. On a un très joli chat qui est brown, bloodshed tabby. Et la femelle toute noire qui est à côté, qui est beaucoup beaucoup plus jeune. Voilà, qui va obéir à monsieur et non pas à madame. Voilà, très très jolie femelle noire. Je pense qu'on peut applaudir tous nos chats qui sont ici, qui ont été très gentils. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez nous rejoindre au stand du LOF et chacun pourra répondre à vos questions. On va laisser la place aux chiens dans deux petites minutes. Alors, chacun va faire un tour, s'il vous plaît. Restez là, le public, si vous voulez. Chacun va faire un tour très près de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, les propriétaires vont faire les mises tout autour de vous et vont vous présenter leur chat d'un peu plus près. Merci à tous. Ok, une petite annonce, quelqu'un a perdu sa carte bancaire, donc allez la chercher au stand C07, je ne sais pas trop où il est, C07 pour celui qui a perdu sa carte bancaire.